Troisième jour de campagne et quatrième étape. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, ne fait pas dans la demi-mesure et ne perd aucune minute pour prêcher l'évangile de la résurrection de la RDC, gardée en commun depuis les 5 dernières années. Après l'étape d'Isiro dans le Haut-Ouélé, son private jet de campagne se posait à Bounia, dans la province de l'Ituri, ce mercredi 22 novembre 2023, accompagné de ses alliés. Il a beau se faire tard, la nuit tombée, il a beau être un jour ouvrable, Bounia a refusé de dormir, écarquillant grand les yeux pour voir l'incarnation de tous ses espoirs. Ambiance totale de fête, de l'aéroport au lieu du meeting, que le candidat numéro 3 a avalé à pied, marqué de près par la population. Il a reçu un président du sort. Il est notre président numéro 3. Qu'est-ce qu'il va passer? Nous les Ituriens, comptons tous Moïse Katumbi. De mémoire de la grande place du podium de Bounia, jamais nuit n'a été aussi mouvementée que noire de monde. Aucune place disponible pour placer une paire de pieds supplémentaires.
Le vaillant peuple de l'Ituri, à travers celui de Bounia, a indiqué son choix irrévocable avec gourmandise. Le candidat numéro 3, à chaque étape, se confirme comme le chouchou du prochain rendez-vous électoral. Et c'est dans la même nuit, noire de monde et blanche d'espoir, que Bouta et ses habitants ont quitté le lieu du meeting